Mesdames et messieurs, et ceux qui ont allumé leur radio pour écouter de la soupe trop commerciale et sans légumes, oui, vous, vous êtes sur le point, non d'interrogation, mais sur le point, en fait, quand je parle du point, je parle de l'instant T dans le présent. C'est le point de... Enfin bref, c'est pas... Comment ça je parle trop? Vous êtes sur le point de voir une vidéo de la pire violence mentale qui puisse exister. Tout n'est que non-sens continu et débilité congénitale sous forme de poitrine généreuse et rebondie sur, au niveau de la terminaison rose et... Éloignez tous les débiles mentaux de l'écran, voici l'effet que pourrait faire cette série sur vous. Pour tous ceux qui n'ont pas encore atteint ce point de dégénérescence mentale, je vous conseille, avant de regarder cet épisode de Serial Buster, de vous foutre un pic à glace dans le cul. Sur ce, bon manche. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Serial Buster. Alors aujourd'hui, on s'est vraiment pas foutu de votre tronche avec un nanar comme on n'en fait plus. Il s'agit de Cléopatra 25-25 qui raconte globalement l'histoire d'une jeune stripteaseuse qui, suite à un implant mammaire défectueux, se retrouve dans le futur, hein, après une cryogénisation ratée. Et c'est quoi ce bruit-là? Mais c'est quoi ce son là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Moi j'ai entendu ma mère en fait, j'aime bien chanter. Casse-toi! Toi aussi. On est d'accord, c'est juste un des génériques les plus pourris de tous les temps, et puis c'est une vieille mode toute pourrie de faire chanter l'histoire par quoi en plus? On a l'impression qu'on est en train de violer Aretha Franklin là! C'est qui la viole? Rentre chez toi, sérieusement, rentre chez toi. Et voilà nos deux coupables, R.G. Stewart et Robert G. Tarpette. Ces deux tarés-là sont à la base les créateurs de Xena la guerrière, et ils avaient collaboré aussi avec Sam Raimi sur Hercule. Donc on savait déjà que les deux gars avaient une vision toute personnelle de la mythologie et de l'histoire en général. Rappelez-vous, dans Xena, elle était à la fois contemporaine de Jules César, des dieux grecs, des chinois, Hercule, et elle a même croisé un Jésus ou un hippie du genre. L'histoire, pour eux, se résume en un point fixe où tout se mêle pêle-mêle. On suit les aventures de trois jeunes femmes dans une terre où l'humanité est obligée de vivre dans des sous-sols sans fin suite à une invasion d'extraterrestres qui leur interdit tout accès à la surface. On découvre ce monde du point de vue de Cléo, jeune stripteaseuse, actrice, mon cul, oui, avec un nom pareil, et encore, je suis gentil de dire qu'elle est actrice ou stripteaseuse, quoi. Cette danseuse sans culotte se réveille en 2525 après qu'on l'ait oubliée lors d'une énième opération d'implant mammaire. Cette intrigue est un clin d'œil pas du tout subtil à Buck Rogers. Il s'agissait d'une série de 1979 où le héros lui aussi était perdu au 25e siècle après avoir été mis en animation suspendue. Alors, c'est une série de science-fiction, science-fiction-aventure. Dans toute bonne série de science-fiction, il faut construire un univers cohérent. Un univers cohérent implique la création de peuples, d'un background et pourquoi pas aussi d'un bestiaire. A l'époque, il y avait la série Hercule qui avait impressionné en intégrant des images de synthèse et des nouvelles façons de maquiller, des nouvelles techniques de maquillage. Là, on a la même équipe technique, mais on a l'impression que c'est franchement les stagiaires qui ont bossé à la conception des monstres. Apparemment, dans le futur de Cléopâtre, il faut aimer le cuir et comment dire... Regardez un plan d'ensemble de tout un tas de persos perdus dans un bar. Je ne sais pas, on dirait pas qu'on est à la journée porte ouverte au club Sadomaso, sérieux? Attention! Suite aux nombreuses réclamations concernant la lourdeur de certains propos, la production tient à préciser que toutes les allusions sexuelles seront désormais remplacées par une petite musique entraînante et innocente. Merci de votre compréhension, l'équipe des Serial Busters. Alors, voici le bestiaire de la mythologie du futur. Sérieux, c'est quoi ça? Autant Splinter, je veux bien, mais là, non mais, c'est un... Voilà, là, on a les hommes insectes. En fait, je sais pas si on peut vraiment les appeler comme ça. On dirait des danseurs tout droit sortis d'un concert de Lady Gaga, un jour où il y aurait plus de cocaïne, quoi. Ah, mon préféré, le Joker, Drag Queen. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, dans ma tête, ça a popé cette chanson.
Allez, on a les pros fistinières. Voilà, je pensais jamais le placer dans une vidéo que mes parents pourraient voir. Là, on a le No Life dans toute sa splendeur, tendance swag, SM, hashtag, infection et pu du haut piercing. Voilà, là, on a monsieur SM avec du ruban adhésif. Fais-moi mal avec du scotch. Et vous aviez toujours voulu voir la tenue de l'homme de fer dans le Magicien d'Oz quand il part en boîte de nuit en espérant se faire... Et bah voilà qui est fait. Ah, qui a dit que les cyborgs ne savaient pas draguer? Once you go sidewall, you never go back. Cool. Non mais voilà, toute la série est un hommage au clip de Gunter avec la musique de Patrick Sébastien. Non mais regardez, je sais pas, regardez la scène de boîte de nuit là, c'est pas possible, là, regardez. On est vraiment dans le délire de Sam Raimi, autre producteur du show à la base. Il a toujours adoré mettre en avant des femmes au centre de ses séries d'action. D'habitude, les séries d'action étaient plutôt centrées sur des hommes, avec toute l'imagerie virile des films de castagne des années 80. La mode était donc, fin 1990, début 2000, à des séries qui mettaient en scène des femmes fortes et combattantes. On pouvait retrouver sur nos chaînes à l'époque les séries comme Buffy, alias Dark Angel, Sydney Fox, ou l'équivalent mielleux de Cléopatra, à savoir Lex. C'est une série de combat, la série est un slot driven show. Ce qui veut dire que tous les épisodes sont conçus selon le même modèle. Il y aura donc à chaque fois un nouveau protagoniste à introduire, des scènes de combat, une crise à résoudre, et un final, en général, avec une petite vanne. Le problème, c'est que toute la série veut mettre en scène des scènes de baston à la Xena. Les actrices sont très athlétiques, ça c'est cool, mais ils en font juste des caisses quoi. Bonjour Capitaine Egidius. Bonjour mon cher Cyril, et bienvenue sur la chaîne patinagebaston.fm.tv. Et oui, la chaîne de la baston, du patinage, de la pêche, du tricot et du porno à partir de 18h. Très important de le notifier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Alors aujourd'hui, on va faire une scène, on va faire une comparaison entre deux scènes de Cléopatra 2525 et de Mutant X, la même actrice, et on va étudier un petit peu les mouvements qu'elle nous fait. Okay. Alors on y va. Oh, très belle pirouette. Ouh oui. Oh là. Ah, je crois que c'est une pierre de rosette. Oh. Très beau double axel. Mmh. Et plus vulgairement, ça donnerait quoi? Alors, le putain de triple axel de mes deux suites, un triple giratoire de mes fesses, s'ajoute à mon prolapse. Par contre, il reste des humains qui vivent à la surface. Là, on a le peuple des hommes en panier osier. C'est un peuple tellement formidable. Live long and prosper. May the force be with you. Bon, une blonde qui me dit ça et qui en plus me dit bonjour en faisant ça, moi je peux que l'aimer quoi, c'est... Surtout elle est bonne quand même. Non, sérieux, t'as pas une maison, un carton, je sais pas, rentre chez toi. Le truc aberrant de la série est la façon de se déplacer des humains, au sautant dans le vide une fois l'étage en vue, en se récupérant grâce à un jet de Spider-Man, on va dire, hein. On arrive au moment que vous préférez tous, le moment du « ça n'a aucun putain de sens !» Non mais sans déconner, t'as une race qui est capable de créer tout un monde souterrain, qui est capable de créer des androïdes, des intelligences artificielles, et ils n'ont pas pu résoudre le problème des sauts là, dans le vide, autrement qu'avec du sperme de Spider-Man. Il n'y en a pas un qui a été foutu d'inventer, je sais pas, un truc qui s'appelle l'ascenseur. Bonjour la Marguerite. Bonjour Cyril. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit extraordinaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est donc? Tu me mets déjà dans la baguette. Timothée va nous présenter un produit fantastique. Un ascenseur. Descend et ce à vitesse raisonnable. Et oui, vous ne risquez plus de vous écraser comme une merde en ratant votre jet de sperme, tel un pigeon qui s'éclaterait sur le capot d'un Airbus A380. C'est évident. L'un des problèmes majeurs de la série est l'hypersexualisation de tous les thèmes combinés à un ramassis de choupignaiseries kawaii. Quand tu prends Xena, la série Gojon, elle propose une version féminine d'Hercule. Là, ils sont partis dans le même délire, féminiser à mort une histoire à la Buck Rogers. Mais là, ils ont appelé, je crois, Ultra Gay en conseiller technique. Et je sais pas, moi, ça rend pas bien. Regardez la scène de jeu dans le bar. Au passage, les rollies vont en prendre un peu pour leur grade. Tous les hommes sont enchaînés, les filles aussi. Putain, le nom du bar, c'est quoi? C'est le Sodome et Gomorrite? Tout est tellement cuir, cuir, moustache pour aliens, robots et autres formes de vie à base de poils, poils. Mais c'était pas un programme vendu pour la famille, ce truc? Mais quel genre de famille peut regarder ça?
tout l'imaginaire de la série pue le sexisme à plein nez. Non mais sans déconner, jusqu'au titre là, tout chromé, on a vraiment l'impression d'être dans des salons de loto les plus glauques du monde quoi. Et puis voilà, un gros point noir de la série. Elle commence dans les années 2000. Comment on peut passer du cyborg badass à la Terminator, ou encore Robocop, à ça ? Pareil, le jeu des acteurs est abominable. Regardez notamment avec les pseudo-armes à laser. Ils doivent mimer le recul. Non mais regardez-moi le surjeu, elle joue le retour du laser. Mais on dirait qu'elle a inventé le twerk. On est d'accord, hein, mimer comme ça, le laser, ça n'a aucun sens, hein. Un deuxième truc qui n'a aucun sens. Les extraterrestres à la surface ont quand même les lasers les moins fiables du monde. La violence mentale de ce truc a atteint des sommets de ça n'a aucun putain de sens! C'est ma réplique là. Je vais boire un café et tu me piques mon texte? Va te chercher une personnalité, dégage, allez hop! Bon, il est temps de conclure maintenant. Voilà pourquoi cette série, tout comme Lex, à mon avis, reste un cauchemar du space opéra ou de la SF à la télé. Imaginez le futur et un réel travail de recherche. Le background est avant tout ce qui donnera une cohérence à vos personnages et à vos récits. Quand on prend Total Recall 2070 ou Firefly, le souci du détail se joue dans la cohérence de l'évolution technologique ou des langues. Firefly propose une langue métisse du futur entre le mandarin et l'anglais, ce qui est totalement cohérent étant donné que c'est les deux langues les plus parlées dans le monde actuellement. Les androïdes de Total Recall, certes très perfectionnés, n'en restent pas moins limités et proches de l'image d'un humain. Les déplacements se font encore avec des véhicules et les combats sont un minimum réalistes. Du coup, sans un univers cohérent, il est impossible d'imposer des persos charismatiques et de leur trouver des aventures à vivre. Du coup, sur l'échelle de Derek, je vais lui mettre un 3, voilà. Parce que cette série a été bâclée exprès, faut savoir par exemple que les deux saisons ont été compilées en une seule, les épisodes sont dans le désordre, il y a eu des remontages absolument chaotiques sur 3 téléfilms, et j'ai franchement l'impression que cette série a été faite pour perdre de l'argent. Jean. Voilà, alors c'est tout pour moi aujourd'hui, vous pouvez désormais procrastiner en paix. Si vous avez survécu en survêtement, abonnez-vous à ma chaîne. J'avais plein de trucs bien. Est-ce que ça te dit d'avoir un nouveau trou comme ça que tu connais pas encore ?